Oui, bonjour mon avocat. Oui, na lingine bisa d'abord on a pe simbote na ba nyonso bazali ko landa biso na ba nyonso ba tchaki ba commentaire ezala malamu ezala ndenge ya critique, c'est ça la vie d'ailleurs, ba critique ne sala ki non to perfectionner li susu musala oyo tozali ko sala na o etali 12e prorogation ya état de siège ezali malamu d'ailleurs boebi que les cas qui avec beaucoup de facilité na assemblée nationale. Bien que par après le chef de l'État a joué qui m'a connu à recevoir commission PAJ, il y a commission plutôt sécurité, il y a parlement, donc il y a assemblée nationale, mais aussi à penser qui koyamba ba notable topé ba député, il y a est kuna pona sulana bango. Pour la 12e fois ba proroger encore état de siège, ils allaient loko moko ya malamu ba tumususu bazo comprendre le bien fondé il y a état de siège té lelo oyo. Avant état de siège, tu vas demander qu'on coupe et belé makasi et tu vas demander qu'on récupère, tu peux qu'on appréhende batu au basalai comme on batuté. Tu vas demander qu'est-ce qui faisait que batu va couper kaka et banani basalai qui bat hauteur et belé tu vas demander qu'on accuse tu l'obi kakezali Rwanda, tu l'obi kakezali Uganda, mais avec l'état de siège et qu'on permettre bien surtout comprendre que basalai qui vraiment, je dirais une grande complicité entre ba autochtone, c'est-à-dire bana bango moko ya est, ba parents ya est ou ba armaka bana na bango pour na ba kenda ka kobomba batu afin que bango ba bénéficiaka na ba minere ya mboka na biso na lobi. Donc bana d'abord ya est bango moko bazali complice, tu es ko découvrir ango grâce à état de siège ndesali que tu as ko découvrir que voire même ba chef de village et belé ba chef coutumier et belé bazali impliqué na kati ya makambo na pe mingi basi ba kangami. Donc état de siège et permettre biso pe to comprendre que il y a eu aussi la main il y a je dirais il y a ba rebelle rwandais au bazali kokota na nzela ya ba ADF, il y a eu la main ou la présence aussi il y a ba rebelle ougandais et aussi na quelques rebelles burundais, mais d'une manière générale état de siège et permettre biso to réduire to ya mortalité parce que biloko comme isko ko sala mana est et comme ba sabotage et changer tactique to peut changer style ya ko sala la ma par rapport ya ndenge bandai ko sala ma liboso parce que liboso on pensait que ezala ki ba rebelle nde bazo utabiska msunzo rende ba rebelle ango to andai ko fana bango na kati ba msu ba voisin auto fanda na bango kaka na kata lopango moko ba msuba voisin ya ba parse oyo e kangami nzo rende na butu bango moko ba komaka ba ADF et il y a eu aussi un groupe ya ba FARDC dernièrement outi ko récupérer ba certains FARDC mususu. Donc lelo oyo pona nga to pe sa chance na état de siège parce que to zali ko kena ngo malem malembe banda état de siège e banditi lelo. On a neutralisé plus de 300 ADF, plus de 300 ADF, on les a neutralisés sans tenir compte y a bah arrestation, sans tenir compte y a bah oh bah msus bango moko bah se rendre. Donc il y a lieu aujourd'hui, je dirais d'appuyer l'état de siège sur bête la ngoma boko parce que zali ko sala musala na yango malamu. Merci beaucoup mon amboka Gustave, au lieu de malamu comité d'état de siège tout que na dossier oyo tu dit comme nous c'est la yiki qui nous dit le cas que c'est à matata ponyo tu matata ponyo na suite au tribunal de justice congolais bon mais pour la nitsa maké cour constitutionnelle déclarée incompétente pour saisir dossier matata ponyo. Non, écoutez, bah il faut pas comprendre ka le principe judiciaire. Tozongi na kati ya mobeko, tozongi na kati ya droit. Au moins tant que tu obéis à solo tu l'obéis que non état de droit, état de droit. Bah tu vas quand ça que na état de droit, ceux qui en aillent na fundi mais c'est les journalistes, toqué na la police, toqué na parquet, il faut d'office bah condamner. Non, muto en a quel quoi accusé, hier il faut à présenter pe bah moyen de défense naie parce que ton mémé li kambu et pas à bazouzi, ton mémé li kambu na justice, justice akoyawana
pona ko sambisa ko confronter biso mi balé na ko sambisa kawana sera senti que non ngai na na problème te akotika ngai mais sera senti que non na na problème et que toutes les preuves sont là ba ko kangangai. Alors na o etalika ya matata mponyo na lingi batu ba comprendre bien na kati ya mboka na biso ndenge pe sala makana ba mboka mususu eza na batu mususu oyo ba juisaka na oyo tozali kobenga le terme là m'a échappé donc bah voilà bah juisaka na ba avantage ya ba juridiction vous comprenez donc eza na mutu mususu netinga na pe cet exemple na Gustave Okangangai atara na commune ya ma ya Lingwala ao la police Okangangai ba interpellé nga ba sambisinga ba rotinda nga na parquet pe mbalamo batindinga makala sans ko passer par tribunal voyez un peu ba ko pe rotinda nga itam susu na tribunal de paix topé je dirais na parquet à grande instance ba ko pe kotinda nga mais na ko ki jamais nga igusa ko kende ko samba na cour constitutionnelle parce que zali juridiction compétente na nga ite na kati ya mboka na biso ba yebi na ko classifier ba juridiction par rapport il y a ba fonction o ba fonction mususu ezako mutu o par exemple o azali ministre tope o azali député tope o azali sénateur juridiction compétente na ye ezali cour de cassation na o etali premier ministre na o etali président de la république juridiction na bango ezali cour constitutionnelle. Maintenant, na kaya matata mponyo, il s'est posé un problème. Matata mponyo, pendant qu'il était en fonction, qu'il était en exercice, il y a premier ministre, il n'a pas été accusé. Parce que ceux qui ont accusé, on allait tenir compte, il y a délai, il y a prescription, il y a infraction, tu as fait, oh, yo, bah, reproché, naïe. Parce que chaque fait, ou soit chaque infraction, il y a un délai, il y a prescription, naïe. Mais chose qui n'a pas été faite. Asali Moussala na ye asilisi. Aye kokoma sénateur. Tango komi sénateur. Ne dossier na eye ko rebondir ba ye ko accusé na ba fait o et c'est pas ça qui pendant que ye azala ki premier ministre. Mais ba ye ko accusé na période nini? Ba ye ko accusé na période o yo ye maintenant azali sénateur. Alors le kola ye azali sénateur. Et l'obité que y'a à l'équelle ba juge na mayele. Non. Les procureurs, parce qu'il y a l'unicité na o etali ministère public. Bah c'est complet à ka. Ezala na parquet, ezala na niveau ya cour de cassation, ezala na niveau, je dirais, ya cour constitutionnelle. Bango bazali kotambola à la recherche des infractions. Vous comprenez un peu? Alors, awa, quand les procureurs près la cour constitutionnelle à s'enquérir na matière par rapport je dirais à l'enquête monsieur Zalaki mené na gestion ya matata mponyo quand qu'il fait encore premier ministre na o etali dossier Bukangalonzo ndé akéri ko déposer makambunyo soana topé dossier wana a déposer yango na cour constitutionnelle ba bengi si matata mponyo après avoir ko sala levé ba immunité na ye dossier bandara té dossier e bandi alors dossier tant e bandara ezala na forme na fond. Sur le plan, il y a forme, bah, avocat na ye, la défense, il y a matata mponyo. Parce que, mobe kwe zalara bongo. Yo zoloba, ngana zoloba, batali na bato mbele bazali koloba, nanya zali, nantela. Matata mponyo ye, ko arrive ko, na ba exception, e zala ki souleve. Na défense na ye, la cour constitutionnelle a trouvé que c'était fondé. Yangwana alobi non. Juridiction na yo, c'est vrai. Loko les ali cour de cassation. Ngai na koyi ko sambisa yo te. Donc ko yebisa na matata mponyo ke non na ko sambisa yo awa te. Yango nde bazali ko benga ngo na terme technique l'incompétence. Mais elobi te ko na o etali ba notion de droit ba juge ya cour constitutionnelle ba zangi maye ba ko sambisa na yango matata mponyo. Non. Donc loko la kaka juridiction na ye. Oh ya koki ko sambela. Oh ba koki ko sala ba poursuite contre na makambo. Oh ya sala ya mabe. Oh ya sala ya mabe. Loko la sénateur na minute parce que qualité na ezali sénateur. Akoki ko samba na cour constitutionnelle te. Yangwana cour constitutionnelle a se déclaré
incompétente. Mais cela ne veut pas dire que non, dossier à Matata Ponyo est sili parce qu'il y a l'unicité nakati ya ministère public. Donc le procureur général près la Cour constitutionnelle a quoi qu'on saisit, n'est-ce pas, son collègue Azali, procureur général près la Cour de cassation et a fondé le dossier. Ezali nakati nzungu dossier silité ezali nakati nzungu et déjà pe lokola basi ba fongola ki yango et que basala ki lever a immunité na ye na même dossier wana et ko sengela lisusu te ke baya na sénat po na basenga lever a immunité non ezali continuité parce que là lokola la cour a se déclaré incompétente dossier silité a ko yi ko renvoyer dossier na ye na bisika oyo compétence wana ezali. Président de la République a empêché ma adversaire politique 2023 et que maman coincé. Non, écoutez, soyons logiques. À supposer qu'aujourd'hui Matata Ponyo est candidat président de la République, dans le cas de Congo, soit logique. Qui est ce vrai Congolais là où il se permettre facilement à Gaboué, à Télémaké, de voter Matata Ponyo? Qui est ce Congolais là? Soit logique, qui est ce Congolais là? Donc, il y a un peu comme ça, le bango Toto Kanisé, un peu comme ça, et que tu n'as jamais fait ça là. Et le chef de l'État a coquille jamais qu'on éliminer Matata Ponyo. Quand Matata Ponyo a bandai koyi bambongo ya Bukangalonzo, est-ce que chef de l'État Zala Kiwana, l'actuel chef de l'État Zala Kiwana, a Zala Kiwana te? Donc, to lingate que Babouzo ba nyonso, oyo eleka dans le passé, ce qui va poursuivre et bandit ko salama, na moment oyo, to lo ba keno chef de l'État Zala Kiwana disqualifié batou. Donc, là, je ne suis pas d'accord. Et bato bazali peut-être na compréhension na. Il faut même en côté en Mupanzi. Quand on parle de l'état de droit, on doit respecter le principe de droit. Ce qui va interpeller Moutouna justice, tout le bâtiment qui est allé acharnement. Il ne peut jamais y avoir acharnement contre Matata Ponyo pour la Batounion. D'ailleurs, s'il y a des dossiers au Batouba Gangela, aux populations, Tambolela, un gros dossier à Bukangalonzo, à Matata Ponyo. Voilà ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, mon amour. C'est vrai que le dossier est allé, budget, c'est pas Iki, c'est trop dur. Aussi, comme mon amour, je sais pas quoi dire. Content vraiment à 10 milliards, mon amour, ça m'a dit proposé va monter à l'Assemblée nationale. 10 milliards, mon amour, à l'objet d'Amoukié, 10 milliards. Non, à l'objet 10 milliards, ils ont moukété. Mais à l'objet, kaka seulement que. Na oye étali, Jean-Marc Kabound, à l'objet là qui, pour na, je dirais. Par yaba enseignant, le pourcentage qui est plutôt yaba militaire, donc le pourcentage qui est réservé pour notre armée, na ndenge tozana ba guerre bona ba état de siège, azali ko trouver que pourcentage ezali alloué pour na armée ezali mouké, pour na ye asenga ki ba multiplier yango, ou soit ba multiplier yango par deux, ou soit par trois, pour ne permettre na ba militaire na biso, baza na ba condition moko ya malamu. Ceux qui basent la condition à malamu et qui permettent déjà la volonté au basalé n'engo babunda le sous makasi et comment ça en a été car un pourcentage où ils allent allouer na armée y a un des qui permettent bango basomba équipement y a un des aussi qui permettent bango basomba armement donc et qui permettent bango bas vivre n'engue bas militaire bas vivre à alors tellement que pourcentage où a selon le président Jean-Marc Kabound Akabundo, le président Aïdé Dudepes, a trouvé que le pourcentage wana ezali tellement mouké makasi ne asengaki na premier ministre, ce qui a coquille qu'on réduire le train de vie à l'institution. Parce qu'on a trouvé que les institutions basali na au moins 22% na kati ya budget national par rapport à l'armée. Or, na ba institution batouana basali mouké. Donc, dans l'institution, tu as eu présence de la République, tu as eu gouvernement, tu as eu l'Assemblée nationale. On trouve que Batouana Bazali Moukie vraiment par rapport à la militaire ou à Sengeli qui bénéficie d'un salaire moko décent. Donc, c'était sa pensée. Et d'ailleurs, le ministre, tant que le premier ministre Samal Konde, a tenu compte de l'allégation Nyon Soana. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, il y aura quand même, dans le budget ou à 2022, il y aura quand même, je dirais, un soulagement de la part yaba militaire na biso. Merci beaucoup, Mme Bouakistan. Nous aussi, pour le dossier Tali, le budget Katamou, comme
D'ailleurs, le gouvernement a déjà disponibilisé les moyens pour l'élection en 2023. Ce qui bazali kosenga mwana mboka kadima, même le président de la République a dit que je demanderai à la communauté internationale ba accompagner biso na processus oyo. Pourquoi ba accompagner biso? Non, écoutez, Joseph Kabila avait refusé l'implication. L'accompagnement et l'implication sont des choses différentes, vous comprenez? Quoi accompagner, yo yo suivre ndengai aux autres la kaka, mais implication yo posa ko mikoti sanaka aux autres comme lokola acteur sont des choses différentes. Donc lelo oyo soki to sengi bango ba accompagner biso zali par rapport à expertise au pe bango ba ko ikosa nango. Vous savez, aujourd'hui lorsqu'il y a les élections dans un pays africain, tout le monde a tendance à crier, à demander, à crier au secours auprès de la communauté internationale. Et à deux fois, c'est la communauté internationale qui a été en base, il y a un désastre rebellé après les élections. Il y a un biso, le chef de l'État avait déjà annoncé cela, à ce qui n'a pas accompagné biso. Et ce qui m'a accompagné, de Malola, si peut accompagner, ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, l'Union européenne, Yemoko a accepté qui quoi accompagner techniquement. Oezali, je dirais, l'actuelle composition, il y a CENI. Donc, nos élections, et qu'on a financé par nous-mêmes, mais bango bako, il y a juste kaka pour accompagner Bissot, enfin, qui est, je dirais, de la vérité et de la clarté dans ma cambo, tout ça. Vous savez comment le politique ou le cas, ah, bah, il n'y a pas trop de qui va sa ville à Kinshasa, parce que c'est une année, ma case, comment la ville a été paralysée. Non, je suis d'accord avec vous que la ville a été paralysée, mais par la pluie. Oui, c'est la pluie qui a paralysé ces jours-là. La ville, Mboulebeti, Banda, 6 heures, c'était pour la première fois, Banda, Tolonga, Nailanga. Mboulebeti, Nakata marche na bango bazanga kindenge nini ya kotambola parce que ba mususu bazapato ba semele longwa ki nanzela ba mususu ba mesana kotambola na mayambula te mikusa na makolo bakimi ba mususu to mona bango bakio okangama na mo ba station bazolenga malili pona ba mesana te ba mususu to mona ki bango na te monel chadari aka fandi lokola mutu ba betie et pourtant je m'excuse. Combo ce na tangango pesa ngaka kosuko suna comprendre raté Emmanuel Chadari ce na tangango pesa ngaka kosuko alors na tangango le souter bino mo bomona bandana bandaki na kosolite mais comme ka na tangi komba Emmanuel Chadari kosuko soye attention moli mwana to tele milango alors na bandai ko lo babo e que tomoni Emmanuel Chadari a lembi marche au basali très bien encadré par la police gaz et betamité. Babouskile moutoute, mboule beta ki moukolwana, mais moutoua lembi. C'est pour vous dire que balemba ki passe que basala ki a battu moralement et psychologiquement. Malgré balinga ki ba utilise ba moyen, bambongo na bango, et simba ki te. Pourquoi? Parce que nzambe a boyaki. Nzambe alba ki biloko bo sala o eza biloko a salite na lingi angote, botika mwana mboka. Fati de Nazareth à Oumira Nangwende Naye. Merci beaucoup, Mme Boka, Gustave, pour votre subscription et pour votre abonnement. Naba yon so bazali ko landangai. Naba oyo ba komanta ki na ba video na salaki na pe sibino bambote ebele na pe simbote na mama Chantal Masengo na pe simbote na Cyril Lasolo na pe simbote je dirais na papa Kazadi na papa Mukuna na pe simbote na Cyril Lasolo na pe simbote na Sadat Banza na pe simbote na Yves Kalombo na pesi aussi mbote na mon frère Mwanza hein asa à côté na pesi ba mbote ebele na pesi mbote na ba nyoso o balingaka Gustave Lutumba na ba o pe balinga ngate
D'ailleurs, on a une peine à la bateau, à la ngate, pour nous comprendre que nous sommes au Kilian Zambé, Zambé, Mokati, là, jamais qu'on s'en a l'unanimité, dans l'eau, là, qu'on a bagarre et bundaman, en dégâts, on s'en a été, sur un débat, on tout va à Angelou, mais Angelou, Moko, Abimara, Akomaka, Satan, donc, on a beau tébélé, dans mon frère Mustapha Mwanza, on a pêché au beauté. Du reste, on a plus de 243-89-457-33-88, plus de 243-989-703 à la fin. Dans la prochaine émission, on va voir les bandes qui sont dans les bandes. On va voir les combats de l'IDPS, on va voir les combats de l'IDPS, on va voir les combats de l'IDPS. On va voir les combats de l'IDPS, on va voir les combats de l'IDPS. On va voir les combats de l'IDPS, on va voir les combats de l'IDPS. On va voir Paul Kagame. 30 millions de tonge la biso ba ville wana topé ba village de tonge la biso wana félicitations parce que ozali ko reconnaître ba l'art na biso oyo yibara na kata Congo ezali façon ko sala mea culpa moni net nga gisabo ila wana na bo yango te eya me retonga mana ba génie militaire o ya biso donc sont des congolais qui vont construire je dirais ces villages là et ce qui peut être aussi nga to délocaliser po nga na osenga mbongo wana Oleba tonga kaka na nord Kivu to na sud Kivu bakende ko tonga beaucoup plus na province orientale et sika oyo ba Rwanda na ba Uganda ba bundaka guerre ya 6 jours batu ba kufa banda ko bukana biloko belé e bela bébé ba Non et sali une très bonne initiative batu msu ba comprendre nga mabé je sais sur le plan politique to sepe la raté vraiment na Rwanda mais sur l'option Hein, donc l'option diplomatique, ce n'est que normal. Le deux pays, il faut bailler au Canada. Parce que ceux qui sont au Canada, dans les jours à venir, il y a la montée en puissance de la République démocratique du Congo. Togo Fandara, Boepa, Bakongo, Batali, Keno, Mouto, Babeta, Biso, Tobiso, Beto, Beta, Bango. Togo Beta, Bango. Mais le rôle en Zamba, c'est que Keno, Tim Kolo, Koufaka, Rwanda, Ozalara, Mupanzi, Nabiso, Biso, Beto, Ozalara, Mupanzi, Rwanda, c'est une situation et une condition géographique, Tokoki, Kobo et Angote. Peut-être répète dans les jours à venir, bah au lugar attend m'soupe bon ça va, tous ont galé soukouna et que ça là que na partie on a instabilité et ça là kak. Il y a on a tous ces règles sur le plan diplomatique. Moi je suis d'avis favorable que ce qui ba relation na biso avec les pays voisins et que ça là harmonisé, ça fait partie même il y a bah pilier le 20 pilier il y a chef de l'État Pascal Obaki Akobunda. On a qu'à faire asseoir la diplomatie et la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Mandoua. Merci beaucoup, mon Amboka.